Salut tout le monde, c'est Lokid sur iCat et nous allons continuer cette aventure épique de Final Fantasy VII. Et nous allons reprendre la partie où nous l'avions laissée, c'est-à-dire au cimetière des trains, avec Cloud, Tifa et Aerith qui courent, entre guillemets, vers le secteur 7, si je me trompe pas. Des fois j'ai trop de mémoire, donc oui, c'est le secteur 7. Pour essayer de sauver tout le monde, d'évacuer tout le monde, de sauver la plateforme éventuellement. Et tout le tralala, car la Shinra a décidé d'exploser la plateforme supérieure pour qu'elle écrase celle. La plateforme inférieure, pardon. Donc ce qui est assez radical pour juste éliminer des terroristes, mais bon, apparemment il faut ce qu'il faut. Hop, alors. Donc là, le but c'est de traverser le cimetière des trains. Mais j'aimerais bien quand même soigner mon équipe. Non, ça va être Aerith qui va s'en charger. Tac, tac, tac. Voilà. Pour l'instant, au niveau des points de magie, ça a l'air d'aller. On va essayer de récupérer quelques objets entre temps quand même. Ce qui pourrait nous être très précieux. Écran sonore, ce qui sert à. Comme qui dirait. Se soigner de l'état de mutisme. L'état de mutisme qui nous empêche d'invoquer les sorts, en fait. Si on peut dire. Mais je crois qu'on n'en aura pas besoin maintenant. Donc là, vu que nous on connaît le jeu, on traverse sans problème. Sinon, c'est vrai que la première fois que j'ai fait cette partie, ça a mis un peu de temps. Hop, donc c'est vrai que les ennemis là sont pas forcément si simples que ça. Donc là, un petit éclair sur tout le monde. Il me semble. On va faire contre-taillade sur le fantôme tant qu'ils sont encore visibles. Quand ces fantômes sont invisibles, généralement. Bah on ne les voit plus, enfin on ne les voit plus déjà d'une, et puis surtout on ne peut pas les attaquer. Donc le dragon, je sais. Oui voilà, c'est la magie glace qui l'absorbe. Voilà, le dragon c'est la magie glace, il ne faut pas lui lancer de magie glace, sinon on lui redonne des points de vie. Et là le fantôme qu'on tue avec une attaque, enfin deux attaques en plus de l'attaque éclair. C'est formidable. Donc Cloud et Aerith, dès le prochain combat, vont monter au niveau de niveau. Ce qui serait bien, c'est que Tifa monte aussi. Est-ce qu'on va avoir le temps? Je ne sais pas. Alors, ce qui m'avait choqué quand même dans cette version HD de Final Fantasy VII, c'est quand même bon. Les textures sont ce qu'elles sont. C'est du comment dire. C'est du jeu PlayStation 1, sorti en 1997. Voilà, déjà, sortir un truc comme ça pour l'époque, c'est un sérieux tour de force. Mais là, en fait, pour la version remasterisée, pas le remake, hein, remasterisée, bah là, en fait, sur ce plan-là, on voit des trains. On voit deux trains, non, même trois trains, avec lesquels on doit interagir. Mais sauf qu'ils sont tellement rotés que ça en devient choquant. Donc je trouve ça marrant. Sur la première fois que j'ai vu ça, je fais. Ah oui. Enfin, j'ai trouvé ça marrant, mais j'ai trouvé ça dégueulasse quand même. Hein. Parce que bon. Parce que bon, ce que je disais, regardez-moi ça. Je veux dire, t'as un décor quelconque, ok, bon, tu sens que c'est flou, c'est sale, tout ça, mais c'est pas grave, au moins ça allait. Mais sauf que là, tu mets. En plus, c'est pas bien refait, quoi. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, bref. On va. Hop, la petite super potion qui peut nous être utile. Et là, nous arrivons à la gare du secteur 7. Formidable.
Et là, on se dépêche, on se dépêche. Et la plateforme est toujours là. Nous avons réussi, le pilier est debout. Sauf que... Attendez, vous n'entendez pas au-dessus de nous? C'est pire. Donc là on voit en haut Barrett, GC, Wedge en train de se battre. Et Wedge va tomber du 25e étage. Tel Hans Gruber dans Piège de cristal. Mais Wedge, ça va, il tient enfin, voilà, il tient encore debout. Barrett est en haut, aide-le. Cloud, désolé, on s'en fout. Alors, je monte. Iris, prends soin de Wedge. Il est mort de décès, Wedge, là. Iris, accorde-moi une faveur. Je possède un bar, le 7e ciel, dans les environs. Il y a là-bas une petite fille nommée Marlène, c'est la gérante. Ne t'en fais pas, je vais la conduire dans un endroit où elle sera en sécurité. C'est dangereux ici. Éloignez-vous tous du pilier, vite. Tout le monde hors du secteur 7. Ok, et les gens n'en ont clairement rien à branler. C'est incroyable. Et donc là, ce monsieur peut nous vendre divers produits. Et là, on va acheter, chose que je n'avais pas fait depuis le début, 3 hyper. Parce que pour moi, les hyper, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un élément en fait qui te sert de... qui sert au personnage de sortir de la zone de tristesse. Tristesse qui fait que en fait ta jauge de limite augmente mais plus lentement que la normale. Sauf que quand tu mets un hyper alors que tu n'as absolument aucun... enfin que tu n'as rien, pas d'état de tristesse, enfin voilà. Et bah l'élément hyper, il va te servir à booster un peu plus ta jauge de limite. Et ça, c'est sympa. Donc, bon, voilà, il y a Jess ici, mais oui, il va mourir. C'est larmoyant, on s'en fout. Parce que de toute façon, il va vous proposer encore une fois deux choix de dialogue. Mais au final, les deux choix de dialogue, c'est comme le reste depuis le début, on s'en fout. Donc voilà, la jauge de limite qui augmente deux fois plus vite que la dernière, enfin, que la normale, pardon. Ah, ces ennemis-là dans le remake, c'est juste une horreur. Donc là, aujourd'hui, je vais faire c'est la partie 4. Mais je vais pas trop m'attarder parce que malheureusement, comme tout bon citoyen qui se respecte, j'ai un boulot. Je suis pas youtubeur. Inch'Allah peut-être un jour, mais on verra. Et donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus car je dois m'en aller après. Ah putain, oui. S1-6. Voilà, en gros, on peut choisir ce qu'on veut, ça ne change strictement rien. Et donc là, ah ouais, j'avais oublié qu'on avait la magie couverture qui fait que Cloud se prend cher dans son cul. Bon, on aurait pu le garder pour le boss, putain. Je suis con. Bon, c'est pas grave. Voilà, hop, ça dégage. Encore une fois, j'avais même pensé à augmenter le niveau de mes personnages plutôt que de faire un SP, mais finalement je me suis dit c'est pas trop grave dans le sens où on n'est pas non plus en retard. Pardon.
Et donc là on rejoint Barrett. Barrett qui tire dans je ne sais où. On ferait mieux de s'équiper avant qu'il attaque en force. Et donc voilà, hop, on est avec Barrett. Barrett qui n'a pas les éléments que nous on a, c'est-à-dire le cercle mitril. Et alors, hop. Et on va mettre restauré sur Cloud. Comme ça reste honnête. Chacun a deux matérias, poudre glace, feu glace et poudre restaurée. Voilà. C'est pas trop mal. On va mettre un hyper sur Barrett. Hop. Et maintenant, on peut y aller. Les voilà. Et donc là, Reno qu'on a vu précédemment, qui voulait piquer à Iris, cet enculé va activer la bombe. C'est fini, mission accomplie. Je suis méchant. Nous devons les désamorcer. Cloud, Barrett, s'il vous plaît. Pas question, je ne laisserai personne entraver la route de Reno des Turcs. Reno qui est un boss assez simple quand on connaît ses techniques et quand on sait les contrer. Donc là, hop, en gros, il faut juste niquer la pyramide, sinon ça bloque toutes les actions de Cloud. Et je sais plus si ça tue même au bout d'un moment ou pas. Non, ça le tue pas, mais ça bloque Cloud. Et en fait, le but c'est que Reno ne nous enferme pas dans trois pyramides respectives. Sinon, c'est fin du game. Donc voilà, là on bourre la gueule de Reno, on va lui faire voler, on va voir ce qu'il a sous à chourer sur lui. Rien à voler, d'accord, bon bah comme ça c'est réglé, pyramide, hop. Ah là là là, pourquoi il l'a pas fait sur la pyramide, j'ai pas compris. Hop, petite limite. Comme j'ai dit, voilà, hyper c'est sympa dans le sens où hop ça monte direct. Donc là Reno, hop, il se prend moult attaques dans la gueule, il prend cher comme une japonaise dans un boucaquet. Ah là, il y a des fois ça fait rater ce, je comprends pas pourquoi. Je sais que l'élément hyper a un inconvénient quand on le met comme là je l'ai mis. Mais je sais plus quoi exactement. Donc je revérifierai sur un forum éventuellement. Mais je sais qu'il y a un inconvénient à faire ça. Mais c'est un inconvénient, voilà, encore une fois, qui est anecdotique. Putain, il y a des fois, je te jure. Ah, et puis ce combat, il est infini. Parce que Reno est assez résistant. Voilà, alors, il est résistant et en plus de ça, apparemment, c'est compliqué. Alors par contre pourquoi il est Keblo? Ah il a eu stop. Ah d'accord. Aïe aïe aïe, j'aimerais bien en finir. Allez, et là c'est bon. Reno s'en va comme une petite pute. Parce qu'à un moment donné, la plaque est sur le point de tomber. Faut pas déconner, faut pas se trouver dans les parages. Et donc là, Reno saute dans le vide, sûrement que l'hélico est en dessous. Cloud, je ne sais pas comment arrêter. Essaie. Oui, parce qu'on est des amorceurs de bombes, connasse. Ce n'est pas une mort tardement ordinaire. Et voilà un nouveau personnage du côté de la Shinra, Tseng, le chef des Turcs, le chef de Reno. C'est vrai, tu vas avoir du mal à débarrasser. Elle explosera la tête du premier imbécile qui la touchera. Il y a tellement de personnages que les voix à un moment donné, ça sera les mêmes. S'il te plaît, arrête là.
Seul le cadre de la Shinra peut régler ou désamorcer le système d'urgence ou de déblocage de la plateforme. Ferme-la, imbécile! Et donc là, ce couillon de Barrett tire sur Aerys. Bon, ils se connaissent pas encore, mais bon, à un moment donné... Oh, vous connaissez? Quelle chance là, de pouvoir vous revoir une dernière fois. Vous devriez me remercier. Que vas-tu faire de Aerys? Je ne sais pas encore. Nos ordres étaient de retrouver et de capturer le dernier ancien. Ça nous a pris du temps, mais je vais enfin pouvoir en informer le président. Tifa, ne t'inquiète pas, ça va bien. Grosse tarte dans ta gueule. Je porte plainte. Ah ah ah, bien, ça ne devrait pas tarder à commencer. Vous pourrez vous enfuir à temps. Eh oui, parce que la bombe explose. Ah là là, et là c'est la merde, parce que quoi qu'il arrive, le pilier va s'effondrer. Donc la Barrett est en train de chercher une solution. Voilà, enfin après je fais mine parce qu'on connaît l'histoire bien évidemment. Hop, et la Barrett trouve un câble long de. Enfin un câble de grue. C'est fort pratique. Ce qui va nous sauver. Parce que ce câble de grue nous emmène vers le secteur de Wall Market. Et nous sauve. Voilà. La plateforme supérieure qui explose et qui va écraser tous les gens du secteur 7 des taudis. Parce que il faut ce qu'il faut pour tuer des terroristes écologistes. Voilà. Et donc là, Donald Trump admire son spectacle parce qu'il c'est un putain d'enculé. Et que dans sa tête, lui, il est là en mode c'est bon, j'ai écrasé les seuls gens qui pouvaient me casser les couilles plutôt que d'envoyer l'armée. On aurait pu envoyer l'armée dans le secteur 7 des taudis et buter Avalanche, mais on va. On va employer la manière XXL qui est de tuer tout le monde hein, parce qu'à un moment donné les habitants on s'en fout, ils sont pauvres de toute façon. Marlène, Marlène, Adrienne, Big, Wedge, Jesse, bon sang, mince. Mince. Oui, Barrett, par moment, peut être poli et ne pas insulter, ne pas dire de gros mots. Parce que un bon putain de connerie de merde, putain, ça l'aurait fait. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je sais très mal jouer la connerie. Barrett. Donc là, oui, bon. Je vais pas me mettre à chialer non plus, hein. Bon sang. Marlène. Barrett. Marlène. Je crois que Marlène va bien. Hein? Juste avant sa capture, Aerys a dit « Ne t'inquiète pas, elle va bien. » Elle parlait sûrement de Marlène. Oh, vraiment? Mais... Big, Wedge, Jesse. Les trois se trouvaient dans le pilier. Tu crois que je ne sais pas ça? Mais nous nous sommes battus ensemble. Je ne veux pas les croire morts. Et les autres gens du secteur 7?
Ils bousillent tout. Ils détruisent un village tout entier juste pour nous avoir. Oui, Barrett, je sais. C'est complètement con. Ils ont tué tellement de gens. Tu prétends que c'est notre faute? Parce qu'Avalanche était ici, des innocents seraient morts à cause de nous? Non, Tifa. Non. Non, Tifa, c'est pas ça. Bien sûr que non. C'est pas nous. Cette foutue Shinra. Ça a toujours été la Shinra. Ils ont le mal en eux et veulent détruire notre planète. Uniquement pour asseoir leur pouvoir et se remplir les poches de tout l'or du monde. Si on ne se débarrasse pas d'eux, ils vont détruire cette planète. Notre combat ne s'arrêtera pas là tant que nous ne serons pas débarrassés d'eux. Je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu ne crois pas? C'est pas ça, c'est moi. Je ne suis pas sûr. Mes sentiments. Toi, qu'est-ce que tu veux? Oh là! Il va où lui? Harris? Ouais, cette fille, qu'a-t-elle? Je ne sais pas vraiment, mais c'est elle que j'ai laissée avec Marlène. Mince, Marlène! Tifa, pas question d'y retourner maintenant. Ah bah, de toute façon, ça va être compliqué, hein. Et donc là, on pourrait s'entraîner tout seul, hein. S'il nous ferait moult expérience, mais bon. Ah, Dev. J'ai rien demandé. Il y a la jauge d'ennemis qui augmente vraiment considérablement. Bon, par contre, si on rate les attaques, on risque de pas faire long feu face à cet ennemi. Hein. Voilà, ça c'est réglé. Cloud, amène-moi jusqu'à Marlène. Tu vas aider Iris? Oui, mais avant ça, il y a une chose que je dois savoir. C'est quoi? Je veux en savoir plus sur les anciens. Dans mes veines coule le sang des anciens, je suis l'un des justes régnant sur cette planète. Féroce. Tu vas bien? Oh, saisis-toi, mec. Et oui, ça fait la deuxième fois qu'on voit le nom de Sephiroth apparaître. Quand on est débutant, on se demande qui c'est. De quoi ça s'agit? Et hop, direction la maman d'Aerys. Qui va nous expliquer ce qui s'est passé exactement. Donc là, on va faire un petit coup de sauvegarde. Juste quelque chose. Hop, c'est bon. Petite sauvegarde des familles, hop. Et oui. Cloud, n'est-ce pas? C'est à propos d'Iris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pardon, elle est entre les mains de la Shinra. Je sais, ils sont venus la chercher ici. Ils sont venus ici? C'est ce que voulait Iris. Mais qu'attend la Shinra d'Iris? Iris fait partie des anciens, c'est la seule survivante. Quoi? Mais tu n'es pas sa mère? Je ne suis pas sa vraie mère. Oh, ça doit faire 15 ans maintenant. C'était pendant la guerre. Mon mari avait été envoyé au front, dans un endroit lointain appelé Wutai.
Un jour, je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une lettre disant qu'il allait rentrer en permission. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on on voit Jess et Big en train de batifoler sur le quai de la gare. Mon mari n'est jamais revenu. Je me demande ce qui lui est arrivé. Non, je suis sûr que sa permission a simplement été annulée. Je suis allé à la gare tous les jours. Puis un beau jour. C'est un spectacle auquel tu étais habitué pendant la guerre. Ces derniers mots ont été « Emmène Aerys dans un lieu où elle sera en sécurité. » Mon mari n'est jamais revenu. Je n'avais pas d'enfant. Je me sentais probablement seul. Alors j'ai décidé de la prendre avec moi. Aerys et moi sommes rapidement devenus très proches. Cet enfant aimait beaucoup parler. Elle me parlait de tout. Elle m'a expliqué qu'elle s'était échappée d'une sorte de laboratoire de recherche, je ne sais où. Que sa mère était repartie sur la planète et qu'elle était seule, et bien d'autres choses encore. Repartie sur la planète ? Je ne savais pas de quoi elle voulait parler. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une étoile dans le ciel, mais elle m'a répondu que c'était cette planète. C'était une enfant très mystérieuse à bien des égards. Maman ? Ne pleure pas, s'il te plaît. Aerys m'a finalement tout expliqué lorsque je lui ai demandé si quelque chose allait arriver. Quelqu'un qui était cher vient de mourir. Son esprit est venu te voir, mais il est déjà retourné à la Terre. À ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Mais quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari. Et voilà comment ça s'est passé. Beaucoup de choses se sont passées, nous étions heureuses, jusqu'au jour où... Nous voulons que tu rendes Aerys. Nous les cherchons depuis longtemps. Non, jamais. Aerys, tu es une enfant très spéciale. Du sang spécial coule dans tes veines. Ta vraie mère faisait partie des anciens. J'ai alors compris qu'elle faisait partie des anciens. Les anciens vont nous mener vers une terre de bonheur suprême. Aerys sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des Taudis. C'est pour ça que la Shinra aimerait obtenir l'aide d'Aerys. Il a tort, je ne fais pas partie des anciens, non. Mais Aerys, tu entends sûrement des voix lorsque tu es seule. Non. Pourtant, je savais qu'elle avait des pouvoirs mystérieux. Mais comme elle tentait de les cacher, je faisais comme si de rien n'était. C'est surprenant qu'elle ait réussi à échapper à la Shinra pendant toutes ces années. La Shinra avait besoin d'elle, alors je ne pense pas qu'il aurait voulu lui faire du mal. Mais pourquoi maintenant? Elle a emmené une petite fille ici avec elle. En venant ici, Tsang les a trouvés. Elle n'a sans doute pas réussi à partir assez vite. Elle a décidé de se rendre à la Shinra pour que la petite fille soit saine et sauve. Il doit s'agir de Marlène. Marlène ! Aerys s'est fait prendre à cause de Marlène. Pardon, Marlène est ma fille. Oh, pardon. Tu es son père. Comment as-tu pu laisser une enfant seule comme ça?
Ne dites pas ça, s'il vous... Ne dites pas ça, s'il vous plaît. J'y pense sans cesse. Que serait-il arrivé à Marlène si je... Mais comprenez-moi bien. Je n'ai pas de réponse. Je veux être avec Marlène, mais je dois me battre. Sinon, la planète mourra. Alors, je vais continuer à me battre. Mais je m'inquiète pour Marlène. J'aimerais vraiment être avec elle, tout le temps. Vous voyez, je tourne en rond. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Elle dort à l'étage. Pourquoi ne vas-tu pas la voir? C'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'Aéris est impliqué dans cette histoire. Ne dis pas ça. Aéris ne le pense pas. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir que tu ailles bien. Papa, ne pleure pas. Ta barbe me pique. Claude, tu vas aider Iris, n'est-ce pas? Elle en a tant fait pour moi. Si Ashinra est impliquée, je ne peux pas rester là. Je viens aussi. Hé, devine! Iris me posait des tas de questions. Comme quel genre de type est Claude? Je crois qu'elle t'aime bien, Claude. Bah, espérons-le. Je ne dirai pas à Tifa. Si tu me donnes de l'argent. Ok. Bon. Donc là on décide, bah, on va s'en aller à un moment donné. Hein. Tu vas chercher Aéris, n'est-ce pas? Oui. Je pars avec toi. Nous allons au cœur du QG de la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. J'ai l'impression que je vais devoir me surpasser. Si je reste là, je vais devenir folle. Pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps? Bah oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Gros. Cet endroit est dangereux. Il vaut mieux partir. Tu as raison. Mais promets-moi de revenir pour elle. Ne te fais pas tuer. Comment peut-on aller au bâtiment, Shinra? Plus aucun train ne s'y rend. Merde, pardon. Eh bien, allons à Wall Market. Peut-être que nous serons quelque chose. Hop. Bon, on va essayer de monter, d'aller jusqu'au QG. Et après ça, on va s'arrêter. On va attendre pour mettre un éther sur Tifa, mais il me semble que... Enfin, ça serait pas du luxe de la remettre en point de magie. Bon, on va attendre, parce que au moins que ça soit très efficace. Bien joué. Voilà, hop là, comme ça c'est réglé. On aime bien quand ça se passe comme ça, c'est rapide. Il y a plusieurs ennemis, donc on va prendre des points d'expérience. Voili voilou. Hop, on traîne pas. On y va. La matéria sans tir. Une matéria assez utile dans le sens où on peut voir le niveau des ennemis, on peut voir ses faiblesses aussi. Enfin, niveau, point de vie, point de magie et faiblesse de chaque ennemi. Ce qui reste assez pratique quand même, mine de rien. Donc là, hop, on avance. On n'a pas le temps. On n'a pas de squat à faire ni de robe à mettre. On a juste une seule chose à faire. Et ça, faut le deviner, hein. Parce que quand tu joues pour la première fois au jeu, putain, tu le sais pas. Et là, le gars nous demande si on monte à la plaque. Il va te valoir une batterie en zinc. Bon, tu vas me vendre quelque chose que tu viens de trouver. Comment tu le sais? Mais je l'ai repéré, alors ça va. Pourquoi ai-je besoin d'une batterie pour monter à la plaque? Tu comprendras quand tu y seras. Sans Gilles, ça te va? Donc...
Le vendeur nous vend une batterie. Mais ça, tu sais pas que t'en as besoin. Enfin, tu sais pas qu'il faut aller voir ce vendeur pour ensuite t'équiper acheter une batterie. Donc bon, au début tu cherches, hein. Quand tu sais pas, tu tournes en rond. Hein. Donc, on va vendre ça. Il me semble que le gant en cuir, on peut le vendre aussi. On va le vendre, il ne sert plus à rien. Comme ça au moins ça fait de la place dans l'inventaire. Le bâton de garde, il me semble qu'on peut le vendre aussi. Comme ça on est plutôt pas mal. Hop. Et donc là on s'en va. On n'en rencontrera pas d'ennemis durant le temps qu'on va monter à la plaque. Et donc là les enfants disent venez viens suis-moi, je vais te montrer quelque chose qui fait peur. Qu'ils ont grimpé le long de ce câble, ça fait peur. Tu crois qu'on peut y grimper? Oui, ça mène au monde supérieur. Ok, on va grimper. On ne va jamais y arriver. Tu sais jusqu'où ça monte? Il y a bien un moyen, regarde, qu'est-ce que tu en dis? C'est juste un câble. Ah oui, eh bien moi, ça m'a l'air d'un fil doré qui mène à l'espoir. Oui, c'est une façon de voir les choses, Barrett. Tu as raison, c'est la seule façon pour nous de sauver Iris. Ok, la comparaison n'est peut-être pas des meilleures, mais je comprends ce que tu ressens, Barrett. Allons-y. Et là, hop. On décide de prendre la décision lucide de monter sur le long de ce câble, mais voilà, qui monte apparemment jusqu'au QG de la Shinra. Et c'est bien pratique d'avoir trouvé un câble qui monte jusque là où on va aller, c'est-à-dire le QG de la Shinra. Et donc, là, peut-être que si je mets une batterie, putain, je crois que je vais faire confiance au gérant du magasin. Ah bah oui, parce que c'est pratique, hein, du coup. Le gérant du magasin qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve, on lui parle, il nous propose directement une batterie. Et batterie qui va nous servir à débloquer des plateformes et ainsi continuer notre route. Mais je trouve que c'est un peu forcé quand même. C'est même très forcé. Mais bon, faut débloquer l'intrigue scénaristique, tout ça, donc faut bien. Que des choses comme ça existent. Plus ou moins des Deus Ex Machina, mais j'ai bien plus ou moins bien sûr. Hop. On dirait que c'est le seul moyen, c'est de sauter sur cette barre. Il faut que je saute avant que ce soit trop près. Ah, trop tôt. Donc oui, le but c'est d'accueillir sur croix au moment où la barre arrive vers nous. Et voilà, comme ça. Super. Cette partie-là, je m'en souviens, j'avais quand même pas mal galéré à la faire, car c'est vrai que faut être quand même assez précis. Donc là on pourrait monter directement, mais on va quand même prendre ce qu'il y a à prendre. Donc là hop, une batterie ici. Et voilà, ça débloque un éther. Et donc on revient au point de départ. Voilà, on refait la même. Tac. Pas par là, c'est par là. Tac, 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 tac. Et là, abracadabra, on arrive au QG du Shinra. C'est aussi simple que ça. Faut juste être un peu... avoir des talents de grimpeur.
pour pouvoir prendre un rendez-vous au QG de la Shinra. Et donc, on arrive devant. Pas vraiment, je ne connais pas ce bâtiment maintenant que j'y pense. Je crois que c'est la première fois que je viens au quartier général. J'ai déjà entendu parler de cet endroit. Les étages ci-dessus, au-dessus du 60e, sont des étages spéciaux et ce n'est pas facile d'y accéder, même lorsqu'on est employé. Ça doit être là qu'ils ont emmené Aeris. La sécurité n'est pas très importante en ce moment. Ok, allons-y. Attends une minute, ton plan est d'entrer comme ça par la porte principale ? Bah, qu'est-ce que tu croyais ? Je vais me faire quelques Shinra et... Ça ne marchera pas de cette façon. On doit trouver un autre moyen. S'il n'y a pas un autre moyen, si on continue à perdre du temps comme ça, Aeris va... Je sais, mais si on se rend ici, dit Cloud, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Et donc là, on a le choix entre foncer à l'entrée et donc se faire quelques gardes, ou alors prendre la porte de derrière et, on va dire, monter par les escaliers. Où il n'y a personne, mais il faut monter 60 étages. Donc, d'une, je veux monter mon personnage en mini-niveau, et de deux, je ne veux pas me faire chier dans les escaliers, donc on va foncer, tout simplement. Je préfère ça. Bon, allons-y. Mais ça, on s'en chargera la prochaine fois, car je vais devoir vous laisser une vidéo plus courte que d'habitude, bien évidemment. On va juste mettre un éther sur Tifa, du coup. On va quand même le mettre. Et on va enregistrer la partie. Voilà, j'espère que le contenu vous plaira et que vous regardez ce let's play, que vous découvrez cette chaîne, que vous regardez ce let's play. Dites-moi dans les commentaires si, si jamais il y a des choses à changer, la manière de parler pour les personnages ou quelques conseils. En termes de streaming, etc., je suis tout à fait preneur, sachant que je suis débutant à 100% dans ce domaine. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, des gros bisous, et à la prochaine. Ciao !